qu'aujourd'hui nous sommes au pouvoir. Moi j'attire l'attention des gens humblement. Je dis bien avec la plus de la humilité possible. Parce que je sais qu'aujourd'hui on a un contexte très émotionnel, qui est très partisan, où la critique est devenue quelque chose de, on va dire, d'insultant. Même interpellé est devenu insultant. Mais j'ose pas qu'on comprenne. Si nous négligeons ce dossier, nous mettons tous en péril. Le peu de liberté individuelle et collective que nous avons conquise depuis de longues années, au péril du sang de certains d'entre nous. Et demain ne sera jamais meilleur dans ce contexte. C'est pour cela que j'ose espérer qu'on nous donne une explication et on verra ce qui s'est réellement passé. Et enfin, il faut savoir que il est parti 3 mois avec le parti à ce procès, notamment de l'État français et la partie François Compaoré, pour pouvoir saisir, demander un renvoi à la grande chambre. C'est-à-dire c'est une sorte de recours à un autre niveau. Si dans 3 mois rien n'est fait, la décision de non-extradition, enfin, souhaitée par la Cour, deviendra définitive. Je pense que je peux m'arrêter là.